Good morgen, allez, Yiden et Nétus aujourd'hui, les Lunishmat Avraham Mordechai Ben Yitzhak Befani, ainsi que l'Irfou Atara Baruch Shmuel Ben Léa et Léa Bat Elisheva. Le Torah Shachol Israël, si vous souhaitez aussi des prochaines de Misha, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechet Moed Katan, Perek Bet Mishnah Bet, Vechen Mishaya Yeno Betor Habor, Ver O Evel O Ones, O Sheit Uhu Poalim, Zolef Vegomer, Vegaf Kedarko, Divri Rabbi Yossi, Rabbi Yoda Omer, Oselo Limudim, Bishvil Shelo Yachmitz. Même Mishnah que la Mishnah précédente, même principe, toutes les mêmes données. La Gemara explique pourquoi il a fait le répéter deux fois. D'abord, on explique la Mishnah, donc, c'est celui, Mishaya Yeno Beto Chabor. On a eu besoin d'enseigner deux fois parce qu'il y a un qui coûte plus cher que l'autre. Je ne sais pas c'est qui, si c'est l'huile d'olive ou le vin qui coûte plus cher. À notre époque, je crois que c'est plus ou moins la même chose. Ça coûte très cher une bouteille d'huile d'olive et une bouteille de vin aussi. Mais en tout cas, il y a une différence de prix. Et donc, du coup, c'est pour ça que la Mishnah a besoin de expliquer que la perte elle est plus grande. Je crois que la perte elle est plus grande dans les raisins que dans les olives, quand même. Donc, Mishaya Yenon Beto Chabor. Celui qui avait son vin qui était dans le bor. C'est-à-dire, quand on fabrique le vin, pour fabriquer le vin, alors il faut d'abord, on le met dans le gat, ça s'appelle en hébreu, le pressoir, j'imagine. Là-bas, on le piétine. À l'époque, on faisait ça avec les pieds. Et il laisse ensuite, je ne sais pas exactement comment ça se passe, il le laisse comme ça, fermé pendant je ne sais pas combien de temps. Après, il faut l'ouvrir et le faire descendre. Si on le laisse comme ça, tel quel, il va tout devenir, il va tourner à la piquette. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que avant la fête, quelques jours avant la fête, il avait du vin Betor à bord, il l'avait déjà mis dans le bord, d'accord, dans le réservoir où le vin tombe ou coule après le pressoir, je ne sais pas exactement, ouais, dans le Barthénois, il nous dit, c'est la Khafira Shetachat Agat. Le Gat, c'est l'endroit où on écrase, et puis il y a en dessous apparemment un réservoir où on creuse, et le vin il coule ensuite là-bas. Elle est recouverte de cides, ça vous intéresse, de chaud. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, il a fallu s'en occuper. Il ne faut pas laisser là-bas le vin. Ensuite, ouvrir la trappe, le faire couler, pour ensuite le récupérer, le faire entrer dans le tonneau. Et ce qui s'est passé, c'est que vers Oevel, il a eu un deuil, ou encore Ones, il a eu un empêchement, ou bien Oshit Uhu Poalim, il avait appelé des gens, des employés, des ouvriers pour travailler, pour qu'ils viennent s'occuper de son vin. Lui, il leur a laissé les clés et tout ça, et puis finalement, ils ne sont pas venus. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent maintenant, pendant Chol HaMoed, avec du vin qui est resté donc dans ce réservoir, et s'il le laisse tel quel, ça va tourner. Alors, la Mishnah, elle va me dire, tu as le droit de travailler. Bah, la question, c'est combien? Tu as le droit d'éviter ta perte pendant Chol HaMoed. Même si c'est Chol HaMoed, tu mets ton bleu de travail, tu vas là-bas sur place, et tu fais en sorte que tu ne vas pas avoir de perte. Tu as le droit de le faire. Mais combien? Alors, on a la même discussion qu'on avait dans la Mishnah précédente. Zolef Vegomer Vegaf Kedako, selon Rabbi aussi, puisque maintenant tu as une perte devant toi, tu as le droit de faire le travail qu'il faut faire. Ne fais pas du travail à moitié, tu ouvres, et comme tu as l'habitude de faire, sans faire aucun chinouille, tu le fais normalement, tu es en train d'éviter une perte, tu n'as pas prévu ton coup, tu n'avais pas le droit de prévoir ton coup, de faire exprès, de laisser du travail pendant 3 mois. Si tu l'as fait, tant pis pour toi, tu ne sauveras pas ton vin, tu laisseras pourrir, il ne fallait pas le faire. Mais si toutefois tu as eu un empêchement, parce qu'il y a eu, comme on a dit donc, un deuil, un empêchement, des employés qui l'ont trompé, qui l'ont dit qu'ils allaient venir, qui sont pas venus. Et alors, dans ce cas-là, t'es pas fautif, t'as le droit de travailler pendant 3 mois, et tu as le droit de travailler comme d'habitude. Ok? Ça, c'est d'après Rabbi Yossi. Même principe, on déduit de là, que la Mishnah qui m'enseigne que s'il a eu un deuil, il n'a pas pu finir de travailler son vin. Donc, pendant qu'on est en deuil, on n'a pas le droit de travailler. La Mishnah, du coup, c'est une des premières. Dans Moed Katan, on traite en parallèle avec les lois de Chol HaMoed, donc on traite aussi longuement des lois du deuil. Ça, c'est la première sugya, le premier sujet. Dans la Gemara, on va commencer déjà à parler des lois du deuil, justement. Ça commence à partir de là, puisque il s'avère qu'il y a un parallèle direct entre les lois du deuil et les lois du Chol HaMoed. D'accord? Donc, ça, c'est la vie de Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda Omer, non. Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, tu ne fais pas comme d'habitude. C'est vrai, tu vas éviter ta perte, mais ne commence pas à travailler, sortir tout le matériel et tout travailler. Tu sais ce que tu fais? Oselo limudim, bishvil shelo yachmitz. Il lui fera des limudim, ça veut dire qu'il va lui... Je ne sais pas précisément comment c'est, mais en tout cas, il amène des tasseaux de bois,
et qui va les mettre dessus pour le protéger de manière à ce qu'il ne va pas tourner. C'est un moyen technique d'éviter que ça se détériore plus, mais sans te mettre à travailler franchement. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda, et pour ça, bien sûr, la halakha comme Rabbi Yossi, comme on avait dit en mishnah précédente aussi, qu'on a le droit de le faire tout à fait normalement. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.